Hey, salut tout le monde et bienvenue pour du Agrarian Skies en compagnie de B. Bonjour tout le monde. Donc, on va continuer un petit peu nos quêtes, hein, parce que bien sûr, on a un peu TomCraft à terminer, mais ce que je veux, c'est surtout continuer. D'accord, ça m'a été, on a servi dans mon réseau Applied. Ah, quel con qu'il a fait, franchement. Ah là 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 là. Hop, hop. Oh tiens, on va foutre ça avec parce que j'en ai pas du tout besoin. T'as de la play? Non, la play, on s'en fout. On a les pommes, on a tout ce qu'il faut. Ça va, on a tout ce qu'il faut. Du coup, ici, ouais, c'est bon. Alors, on va du coup pas plonger dans l'eau, ça sert à rien. Hop. On va continuer notre petite quête. Ah, monsieur a dit que ça a déjà fait pas mal de choses. Alors, pour ceux qui veulent voir du Botania, parce que j'ai regardé un peu dans les coms, et les privés. Voilà, donc du coup, allez voir la chaîne de Riddick, c'est lui qui vous fera un tuto complet sur Applied, oui, bien sûr, sur Botania, parce que moi je l'ai torché comme un porc. Et du coup, bah, j'ai pas envie de le refaire correctement. Allez voir de son côté, lui, il fait un super tuto dessus. Et c'est nettement plus intéressant que de mon côté. Pourquoi j'ai ça là-dedans? Oh, j'ai 50 de magnésium. Ah oui, non, c'est pas ici que j'ai besoin de magnésium, c'est sur Regrowth. Ok, très bien. C'est pas du tout le même coin. Alors, du coup, on va juste remettre quelques abeilles en route, hein, rien de plus méchant, c'est tout à fait normal. Hop, les étunèdes et nous avons les platiniums. D'ailleurs, qui en a plutôt pas mal en parlant de ça. On va tout vider. Voilà. Et ici, il n'y a rien. Ok. Donc, les platiniums, c'est ici avec les combes. Ok, je vais juste retirer ça pour mettre cela. Les combes, on s'en fout un petit peu, donc on les jette. Et on va remettre l'antarium ici. Hop. Donc nous en avons 105 et 3 nuggets. Oh, c'est sympa tout ça. Du coup, au niveau des quêtes, nous en étions. Ah oui, nous étions dans la cinquième. Oh, dans la cinquième, il y a déjà des quêtes qui sont remplies. Un survival. Un petit solar panel, des turbines, ok, très bien. Il me manque l'électrum, la renforced, qui me donne des fluxed, très bien. Une clock engine qui est plutôt sympa à faire, mais on la fera, il n'y a aucun souci pour ça. Et nous avons besoin de tout ça, ok, qui fera débloquer justement les quêtes. Ah, la fameuse quête qui nous va bien, ainsi que le réacteur. Donc c'est plutôt bien. Alors, on va commencer du coup par l'augmente. L'augmente, là. C'est tout. D'accord. Bon, bah, si c'est tout. Putain, c'est un Solar 2. Bon, bah je l'ai mis le Solar 2, j'en ai pas trop besoin, mais je l'ai mis. Du lead. On a juste besoin de ça, c'est tout. Ensuite, nous avons besoin de ça. Nous avons notre transmission coil. On a besoin d'un augmented là. Ok, il nous manque un petit truc qui se trouve là, comme ça. Le silver, il n'y en a pas beaucoup, hein. Même chez Ethan, il n'y en a pas beaucoup du silver. Et l'augmente en rouge. Re-silver. C'est cela, hein. Ou celui-là. Non, c'est cela. Voilà. Ah bah je l'ai fait. Je l'ai déjà fait. L'augmente en sécurité. Ok, c'est cela. Voilà. Je l'ai fait, donc du coup, il me donne le dessus. Voilà, ok. Alors, ça en fait deux. Bon, bah, c'est cool. Au niveau de la quête suivante, du coup, ça nous débloque de la Yellorium. Du Yellorium. Ok, très bien. Du Rednet Energy Cable. Oh. Alors. T'achètes the machine, the multiply. Là.
Ah oui, d'accord, j'avais déjà ça. Il nous demande de faire des RadNet Energy. Eh, bon, on va commencer le RadNet, hein. RadNet Energy. Ok, déjà, c'est de l'électrum. Ah, j'en ai un peu de l'électrum. Pas beaucoup, mais j'en ai. Voilà, j'en ai déjà ça. Ça, c'est cool. Du coup, nous avons besoin, du coup, bah oui, forcément, de plastic sheet. Et c'est que j'en ai pas beaucoup. Je vais me faire une petite usine à arbres ici parce que c'est assez important. Voilà. Alors, c'est moi qui avais mis toutes ces herbes, hein. Mais bon, c'est très moche. 4 carottes seed, seed normal. Hop, hop, hop. Voilà, tout ça, c'est bon. Je suis pas sûr que j'aurai une sapine ici, au fait. Je ne pense pas. Alors, on va faire ça. Ça, c'est de toute façon, c'est du bois. Mais c'est surtout ça que je voudrais bien, justement. Hop. Continuer. Ici, bah, nous avons beaucoup de cils. Ici, c'est parfait. Nous avons ça. Nous avons ça. D'ailleurs, je pourrais les mettre là. Je pourrais les faire cuire, mais j'attendrai que ça pousse là-bas. Est-ce qu'il y a des saplings pour nous? Oui, nous en avons une. C'est cool. Rubber. Putain, le moulin, il est quand même beau. Serait-il possible que je puisse mettre l'harvester pour rien que pour lui? Sachant que lui. Voilà. Merde, j'ai pété le truc comme ça. C'est un peu con. Hop, 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 hop. Oh, de la redstone, ça c'est cool. Voilà, la redstone c'est cool pour nous. Et puis, bah, les colorants, on s'en fout un peu, hein. Tu vois, je vais foutre ça avec parce que ça c'est absolument rien. Voilà, donc du coup le coffre est pour nous. Pourquoi il est pour nous? C'est tout simplement pour pouvoir récolter justement ce qu'il faut. Nous faisons ça comme ça, comme ça, comme ça. Voilà, il est plein d'énergie et lui il se remplira quand il y aura rien au-dessus. Voilà, ça va mieux d'un coup. Et puis au niveau des fleurs, on va faire ce qu'il faut. Hop, hop. En espérant bien sûr qu'il puisse couper tout ça. Hein. L'upgrade, je vais pas le mettre. Pourquoi? Parce que ça va risque de me raser les feuilles. Les feuilles là surtout, et c'est pas du tout mon but. On va chercher de la bonne mills, parce que de la bonne mills, on en a besoin. D'ailleurs, en parlant de bonne mills. Nous avons plus de bonnes mills. Ah, c'est un petit problème. Mais avant ça, il me faut. Non. Plastique. Non. Chip. Non plus. Ah merde, comment on appelle ça? Barre. Bat. Barre. Voilà. Ça vient à partir de ça. Ok. Que nous refaisons cuire, naturellement. On va chercher ce qu'il faut. Parce que nous avons besoin de ce qu'il faut. Il y a Dead qui construit pas mal de choses. Hein. Il construit aussi quelque chose là-bas. Oh, il y a des arbres. Il y a des arbres. Il y a des arbres. C'est bien, il y a de la diversité dans le coin. Salut les Enderman. Ça boum. Eh ben oui, hein. Bah c'est con, hein, bah oui. Hein. Nous avons besoin d'un stack d'os. Hop, il nous faut ceci. Voilà, 3 stacks de bolmine, ça devrait le suffire. Normalement. Oui! Non, tu coupes rien d'autre?
Ouais, il fait plus de bruit le mec. What? Déjà, on va rajouter un petit peu de musique. Mais d'accord. Il fait plus de bruit le machin. Moi. Et celui-là, tu vas me le couper comment? Ah ouais, d'accord. Ouais, c'est cool, ça nous fait. En plus, ça nous fait des bûches. Bah, plutôt des pousses. Et ça fait du bois en même temps, c'est ça qui est cool. Mais par contre, Non. Normalement, il devrait censé couper nettement plus vite que ça. Pourquoi il le coupe pas? Attendez, on va chercher upgrade. Pour cette machine. Évidemment, ouais, c'est ça. On va faire du tin. Ça sera mieux le tin. Du coup, c'est là et c'est ceci. Juste une upgrade de tin afin de voir un petit peu s'il nous fait des choses ou pas. Ou s'il est en mode très lent. Pourtant, c'est bien Harvest. Ouais, c'est ça, c'est bien Harvester. Pourquoi il est aussi long? Non, tu veux plus pousser, toi? Oh, un sacré. Bon, je suis pas sûr que le sacré poussera, de toute façon. Sinon tu pousses ou... Ouais, bah, il s'use, hein, mais... Il est plutôt lent, hein. Bon, tant pis. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ceci. C'est pour faire du rubber. Alors, on va retourner sur le RedNet. RedNet. Voilà. Celui-ci. Donc, c'est que du plastic sheet. Voilà. On a 8 de plus, c'est peut-être pas suffisant. Ouais. Et oui, nous avons notre premier RedNet. Le RedNet, c'est juste un câble qui permet de transporter de l'énergie, tout simplement. Ouais. Nous avons ceci, donc du coup, il nous donne une patate. Bah, c'est cool. Ensuite, au niveau de ça, bah du coup, l'énergie Lidstone, on a déjà ce qu'il faut, puisqu'on en a déjà fait. Donc, sur ce point, il n'y a aucun souci. Voilà, t'as l'énergie qui est là, là. Je pourrais faire en sorte que... Il y a un autre matériau pour lui. Ouais, on va laisser ça là. On va laisser ça là pour l'instant, parce qu'on n'en a pas besoin. Ensuite, il nous demande d'avoir une électrum, c'est fait. Et ensuite... D'accord, je les ai pas refaits, mais oui, très bien. Alors, j'ai pas fait les tuyaux, c'est juste que j'ai eu un tuyau de Ethans dans la main. Mais ces tuyaux-là, ce sont une pure joie, joie, joie. Vous voyez, ils sont super beaux, hein. Bon, on va enlever celui-là. Voilà, ça, c'est des beaux tuyaux. Ça, c'est des tuyaux qui ont une infinité d'énergie à traverser dedans. Quand on regarde dans le craft, voilà. Transfert infini de RF. Voilà. Vous pouvez transporter infini de RF. Bon, pour cela, il vous faut du cryothérium. C'est pas ça le problème, mais il faut de l'électrum en masse. Et l'électrum, bah, se fait évidemment avec du silver et de l'or. Donc c'est assez coûteux, mais n'empêche que c'est plutôt un bon point. 3, 4. Je sais qu'il y a là, il y en a 1, 2, 3. Ouais, il y en a 3. Voilà. Oui. Je vais mettre les gros câbles. YOLO. Voilà.
Ah si, lui, je vais le connecter. Parce que sinon, il va pas être content. Du coup, un Solar 5 dessus. Oui. Un autre Solar 5 ici. Voilà. Celui-là, je vais le déconnecter parce que sinon, c'est moche. Et voilà. On va dire que c'est plutôt sympa. J'aime bien les gros câbles là, c'est très badass. Du coup, une fois que nous avons fait ça, bah ça, on va le ranger là-dedans. On va prendre une autre quête qui est la Power Converter. La Power Converter, en fait, c'est en fonction du mana que vous avez besoin, du mana que vous avez en stock, par exemple que j'ai ici en stock, vous permet de transférer du mana en énergie. Voilà. Donc la Fluxed Mana Flux. Voilà. C'est de la Living Rock, une Mana Steel, et ça devrait le faire. C'est bon. Forcément, j'ai pas de redstone block. Voilà. On va aller dans le truc de Batatia. On va chercher ceci. Cut Living Rock. Y en a qui a été cherché chez moi. Voilà. Et voilà. Oui. Bon, bien sûr, ça m'intéresse pas du tout, ça, mais c'est plutôt cool. Et du coup, ça me donne un mana distributeur que j'ai déjà là, ce qui me sert absolument à rien pour l'instant. Ensuite, une fois que nous avons fait ça, il nous demande de faire une clock engine ou de faire une query les générateurs qui nous demande de faire ça et de faire ça. Oui, bah oui, comme si c'était pas cher du tout. Ensuite, il nous demande une water à steam turbine. Je crois que je l'ai déjà. Ah non, c'est un plastic tank. Ah, c'est différent. C'est tout à fait différent. Voilà, malgré que ça soit un secret en fait. Le secret n'est. Voilà, il ne pousse que ça, donc. On est plutôt content. Hop, et tubine, on enlève. On récupère ceci. Hop. Et du coup, c'est des barres. Hop, on va foutre ça pour l'instant là, parce qu'on n'en a pas l'utilité. Du coup, il nous a demandé une steam turbine et une steam boiler. Ah bon, on va chercher. Ah, rebonjour, j'ai eu un petit F11 qui n'était pas voulu. Du coup, Steam. Voilà, il nous faut le Steam là et il nous faut le Steam là. Ah oui, c'est pas du tout chiant à faire en plus. Je plaisante, hein, c'est très chiant à faire. Et j'ai pas de Nether Brick. Est-ce que j'ai de la Netherrack tout court? Évidemment que. Oui, on peut en faire ou pas? Ah oui, on peut en faire. Mana, 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 mana. Tout à fait content en fait. Voilà. Donc ça, on va la faire cuire. Voilà, un stack, ça suffira largement. On va faire déjà celle-ci. Oh putain, c'est des silver gear. Silver. Putain, j'en ai plus qu'un. J'ai plus qu'un silver. Excusez-moi, est-ce que vous avez du silver dans le coin?
point, messieurs, dames. Oui, monsieur Redix, excusez-moi, je viens chez vous tout simplement pour piquer un petit peu de vos affaires. Aluminium, aluminium, tin, tin, platinium, silver. Il n'y en a pas beaucoup du silver par contre. Hein. Il n'y en a pas beaucoup du silver. En fait, le silver, c'est le truc le plus rare, quoi. C'est fou, mais c'est quand même le truc le plus rare. Hop. On va du coup enlever ceci. Quand même du silver, j'ai besoin de silver. Oh bah d'ailleurs, en parlant du silver, du coup. Voilà, je vais juste en mettre. Ah oh bah c'est 4. C'est 4 lingots. Oh bah 4 et 4, 8, ouais, c'est bon. On va foutre ça dans le tank. Hop, qui se trouve là. Et on va sortir notre gear. Voilà. Faudrait que je fasse ça un jour en tout automatique. Ça, je sais pas à quoi ça sert. Ah oui, d'accord. Fluide. Fluide, fluide, fluide. Oula. What the fucking shit? Excusez-moi, je vais vous prendre de l'eau. Ouais. Et ça fait quoi ces trucs? Potato canon. Plastic the water. Oui, on voit à travers. Oui. T'as c'est moche. Mais je sais pas à quoi ça sert. Hop. Est-ce que le silver est coulé? Oui, le silver est coulé. Donc on va faire du coup nos deux gears et après on va se laisser là. Justement, on va se laisser là. Évidemment. Ah si ça va, ça peut se faire facilement ça. Ça peut se faire facilement. Alors du coup nous avons ça, nous avons ceci, nous avons cela qui fait ceci. Qu'on fait cela, qu'on fait cela, qu'on fait ça, tac, qu'on fait cela, et non, pas cela. Un et deux. C'est très chiant à faire, mais ça marche bien. Le silver. Hop, celui-là, là. Est-ce que j'ai tout? Non, je n'ai pas tout. Voilà, nous avons un steam turbine. Donc ça c'est cool. Et nous avons besoin de ça. Ah, nous avons besoin d'un... Oh putain. Nous avons besoin d'un sludge boiler. Évidemment, on ne peut pas faire les irons comme on veut. Bon, bah, on va faire ça. C'est deux petits crafts, mais c'est sympa quand même. Hop, hop. Donc ça fait une gear. Ouais, je vais en faire plus des gears parce que je sens que le sludge boiler, on va en avoir besoin plus tard. Pour un usage personnel, j'entends par là, bien sûr. Donc on va en faire un. Oui, c'est bien celui-là. Du coup, les gears sont en cours. Je voudrais savoir si on a tout ce qu'il faut. On n'a pas les fours. On a les fours. On n'a pas les iron gears. Nous avons pas ça. Voilà. Il nous manque juste les iron gears et on va pouvoir se faire plaisir. T'as 50 minimum par contre. Faudrait peut-être que je les coule un jour.
Je sais pas ce que vous en pensez. Il faudrait peut-être bien que je les coule un jour. Bah, je les coulerai un jour. J'avais appuyé sur le bouton qu'il ne fallait pas. Du coup, on va faire nos gears. Nos petites gears. Il nous reste une petite dizaine de minutes, donc c'est justement, on va faire nos gears ensemble. Hop, la troisième. Ouais, c'est ça. Donc ça va, je sais quand même assez calculer. Oui. Hop. Du coup, nous faisons ceci. Nous avons notre sludge boiler. Le sludge boiler, on pourra en avoir besoin parce que ça nous génère quand même pas mal de choses. C'est plutôt bien. Ça et ça. Oui. Alors, nous avons ça. Il nous faut un plastic sheet. Voilà. Il nous faut... Oh putain, ça va être chiant ça. Un seul, j'espère. Bah non, évidemment, il nous en faut deux. Sinon, ce n'est pas drôle. Déjà, toi cuit. Du sable, si avec la terre. C'est de la terre, c'est de la terre, c'est de la terre, c'est de la terre. Bah, c'est pas de la terre, c'est plutôt de la cobble. Oh, ça c'est intéressant, ça c'est intéressant. L'essence, on s'en fout un peu. Cactus seed, c'est pas mal, mais on s'en fout un peu pour l'instant. On a de l'or qu'on doit mettre. Un... Oh, le silver, du lead. Waouh, j'ai encore plein de trucs ici en fait. La nether brick. Peut-être bien que je range un jour en fait. Le hammer. Oui, bah oui, le hammer, on en a besoin. Avec ceci. Là-dedans, on n'a rien. Là-dedans, on a de la merde. Feu rousse. Ça et ça, on va le garder. Aluminium. Andorium, on va le prendre. Copper, aluminium. Tin, lead. Ouais, on va prendre des choses en fait. Hein. Non, non, c'était pas ça que je voulais faire. Tac, ici. Ici non plus. En bloc d'or. C'est important. Du coup. Hop. Ça. Bah c'est cool, c'est déjà bien. On va foutre ça du coup. Faudrait que je foute d'autres énergies. Ah bah les trois là. C'est parfait. On va faire ce qu'il faut en fait. C'est, ça veut dire que ça on va l'enlever. Voilà. Ça, on va l'enlever et on va mettre nos trois câblages dessus. Voilà, comme ça, on va pouvoir mettre nos deux hammers ici. Un Solar 4 là, l'autre Solar 5 ici pour que ça soit symétrique. Et puis ça, bah, on le fout dans le blade. Ça, j'en ai pas besoin. On va mettre nos deux speed upgrade qui se font. Putain, c'est cher. Comme ceci, et il nous faut de la cobble. Voilà. Donc, cobble égale gravier. Voilà. Hop, on va séparer en deux. Ça va aller nettement plus vite. Ah oui, ça va quand même nettement plus vite, hein. Ouais,
Ah là, nous avons du sable. C'est plus rapidement que le hammer à la main. C'est pour ça. Voilà, 10. Hop, rajoutez-moi ça. Et moi, faisons cuire ceci. Voilà. On va faire ce qu'il faut, du coup. Là, de là, ici. Et puis 2. Et ensuite, nous avons besoin de ceci. Ah merde. C'est du lead et l'obsidienne. Bon, alors du lead, on en a. C'est pas ça le problème. C'est l'obsidienne qui va commencer à devenir un petit problème là. On va faire la bonne vieille méthode qui est. Je vais en prendre ça. Faudrait que je puisse. J'ai pas envie de casser ça, moi. Ça non plus d'ailleurs. Ouais, on va le péter là, quoi. Ah merde. Oups. Sorry. Vous avez rien vu, les mecs, hein. Absolument rien vu. Ah bon, bah ça marche pas non plus ici. Là en dessous, c'est. Bah oui, c'est le vide, évidemment, hein, sinon c'est pas drôle. J'ai dit que c'est pas le vide, donc c'est bon. Voilà. Vous mettez votre seau d'eau ici. Et vous faites plaisir avec la lave. Ah oh bah c'est cool, il m'en faut que deux d'ailleurs en parlant de ça. Putain, si ça pouvait autant se miner aussi vite l'obsidienne sur Minecraft base. Basique, ça serait tellement cool. Je sais pas si ça se cuit déjà. Déjà on va foutre ça. Voilà. Du coup, l'induction se met où? Je l'ai mis où l'induction? L'induction smelter. Je me demande si on ne l'a pas piqué au fait. Induction smelter, je crois qu'on me l'a piqué. Et le coupable serait pas lui déjà. Ethan, tu m'aurais pas piqué un induction. Ah bah non. Enfin rien, je vais me faire quand même une induction chez toi. Je crois que c'est une résonante. Non, renforcée. Oui. Oui. C'est tout? Ok. Renforcée. Ah oui, bah ça va. Je t'en emprunte un peu, hein. Oui. Hop, la cuisson, c'est toujours un plaisir aussi. Donc voilà. Voilà. Regardez, si je le lead, je le mets là. C'est soit ça part en haut, soit part en bas. Ça part au-dessus. Et ça part en dessous aussi. Ok, très bien, ça se divise. Du coup, renforced, bah, c'est bon. Voilà.
Voili, voilou. Eh ben c'est bon, avec tout ça c'est bon, on a ce qu'il faut. Et dans le bac, nous avons de la merde. Eh ben oui, nous avons de la merde. C'est bien ce que je pensais. Nous avons de la merde. Hop là. Vas-y, fais-toi plaisir. Par contre, nous avons beaucoup de pouces. Ça, c'est plutôt bien. Ça, c'est plutôt bien. D'ailleurs, en parlant de ça, hop, hop, c'est cuisson, cuisson. Voilà. Et pulvérisation. Tac. Voilà. Ça fait cuisson, double cuisson. Voilà. Et du coup, ça fait du gros beurre. Eh ben, c'est cool. Steam boiler. Voilà. Ça fait du steam en fonction de l'eau que vous implémentez dedans. Et du steam turbine. Ça vous fait de l'énergie grâce à. Bah du steam. Tout simplement. Voilà. Bon allez, sur ce, nous on va se laisser. Et rendez-vous à la prochaine. Pendant ce temps qu'il y a une vache qui a popé juste en face de moi. Ah, il va falloir faire ça aussi. Oh. Fais chier. Ah non, deux.